Et donc, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 4 de Popolbot. Je vous avais dit que ça mettrait longtemps à arriver, bah en fait non, parce que j'avais déjà le projet en tête et je l'avais déjà bien bien avancé. Donc, je vais vous montrer un yacht que j'ai fait. Un yacht qui est très très long, il fait 110 blocs de long. Pour l'instant, c'est le plus grand yacht qui est sur la map. Donc, je vous fais le tour. Donc merci, heureusement que j'ai spec de texture, sinon j'aurais jamais pu faire ça. Enfin, j'aurais pu, mais il y aurait les marques des différentes textures en fait, entre le quartz, les demi-blocs de quartz, les blocs de quartz et la laine blanche. Donc c'est fait que j'ai tout mis en fait d'une même couleur. Il me semble que j'ai déjà dit dans la vidéo des nouveautés, il me semble. Donc, très grand yacht. Si je mets un jour la map en téléchargement, je vous conseille vivement de prendre ce pack de textures en même temps. Parce que regarde, les portes, je les ai modifiées. Enfin, pas tout, mais une grande partie a été modifiée. Et j'ai pas encore fini parce que j'ai presque rien fait en fait. Donc, on va rentrer. Hop. Bibliothèque, petit coin lecture. Ensuite, ici, il y a la cuisine en fait. Les barrières, je les mettrai en blanc, mais je les ai pas encore trouvés dans le dossier des textures, donc il faudra que je le cherche bien. Le four, c'est un bloc-notes en fait. Le lave-vaisselle, donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre ce pack de textures, sinon vous aurez jamais ça en fait. Les petits l'évier eau chaude, eau chaude. Là, le petit compote des fleurs ou je sais pas quoi. Des placards partout, le frigo qu'on peut pas ouvrir, bien sûr. La petite table pour manger. Big télé avec le canapé. Le cadre, enfin c'est parmi tous les cadres, c'est lui qui a la bonne grandeur en fait. Bon, il est un peu, il est un peu sobre en fait. Il est pas très joyeux, mais bon, c'est le seul que j'ai trouvé. Hein, donc jacuzzi. Ensuite, là il y a une petite étagère. Glowstone au plafond. Et ici, c'est là où on rentre sur le côté en fait. Voilà, c'est là. Et j'arriverai jamais à rentrer. Je vais péter la porte. Et j'arrive toujours pas à rentrer, bien sûr. Oui, c'est comme tu rentres. Merci. On va quand même remettre la porte. Et j'ai pas modifié la porte en fait dans le truc en fait, ce qui fait que voilà. Bref. Et donc on arrive ici, il y a un petit escalier et là je sais pas du tout ce qu'il y aura. Peut-être une salle de sport, peut-être, je sais pas. Bref. Et ici il y a une chambre. D'ailleurs, je sais ce que je modifie en même temps des trucs parce que ça sert à rien de mettre des plaques de pression alors que c'est des portes en bois. Donc le lit, mon cadre a sauté, il y avait un cadre d'origine ici. Là on le voit pas trop. Je pense que je vais modifier en fait la couleur du mur. Parce qu'on voit pas vraiment l'étagère en fait. En serpent, enfin en serpentin, ouais. Je pense que ouais, ça c'est des bonsaïs. On dirait. Donc j'ai mis ça. Petite étagère en je sais pas quoi. Le petit jacuzzi avec le fond glowstone pour éclairer un peu. Le lit, la petite rose. Et ici, il y a bien sûr mon cadre à sauter aussi. Ici, il y a le. Et voilà, tous les cadres ont sauté. Alors, j'essaie de le remettre en même temps. Si je les trouve. C'est pas ça. Non. Non plus. C'est pas lui que j'avais. Non. Bon, bref, et est-ce que lui on le trouve direct? Ouais, c'était un grand cadre. Ça faisait comme une tapisserie en fait. Bon, bref. Passons. La douche. Et bah, les éviers avec le magnifique plafond. Et le plafond ici, là, que j'ai fait en escalier en fait. Bon, il y a des bugs de luminosité, ça c'est chiant par contre. Mais il me semble que c'est Walt Disney qui fait ça là. Parce que moi, quand je l'avais fait sur l'autre map,
C'est pas ça. Bref. Ici, donc là c'est la salle de bain. Là je sais pas du tout ce qu'il y aura, peut-être un salon, je sais pas. Et ici il y a encore une chambre avec le grand plafond en tout en glowstone, enfin presque, avec des escaliers en je sais plus quoi. C'est en escalier en voilà stone brick stairs, ouais, c'est en stone brick. Et là il y aura la future salle de bain qui est très très grande en fait. Donc en fait sur ce lieu tu auras que deux chambres. Peut-être, mais bon ça c'est pas très très réaliste, de mettre une chambre sur le qu'est-ce qu'elle a ma souris de mettre une chambre sur le sur un des étages ici là, mais bon ça faisait pas très très voilà. Sous le tapis il y a de la glowstone hein, je précise, et des boîtes de luminosité bien sûr. J'ai pas encore fait les escaliers pour monter. Comme ça, pour l'instant c'est comme ça. Alors voilà. En haut, ici poste de commande. Et là il y aura piscine, jacuzzi, tout ce que vous voulez, chaise transat pour bronzer. Voilà. Et je vais vous montrer la nuit. La nuit, j'ai pas encore fini la nuit. Enfin, je veux dire l'éclairage par rapport à la nuit. En fait, on voit pas. Il y a juste sous le yacht et à l'avant, il y a une j'ai mis une glowstone juste sur la pointe. L'intérieur, j'aurais peut-être dû mettre une glowstone ici là. Voilà, comme ça on voit la lumière. Je fais pareil à tous les étages. Là, je mettrai des et en plus j'ai fait un sol en oui j'ai fait un oups un sol en deux. Il y a deux hauteurs. Donc, ce qui fait qu'on peut mettre des trucs sans que en dessous ça. Il y ait la même chose. Donc, ici, piscine, éclairage partout. Sous le bateau, la porte, ça fait pas très très RP, mais bon. On peut rien y faire. Et l'arrière, la piscine avec. Bah, la porte et. Et là, j'ai mis deux glowstones ici qu'on voit pas trop trop, justement. C'est fait exprès. Donc, voilà. Et je vais vous montrer autre chose, ça sert complètement à rien à voir, c'est par rapport aux pâtes de texture, qu'il va falloir quand même que je modifie beaucoup de choses, par exemple ça. Sur le. En ancêtre, c'était gris, je vais vous montrer un peu comment. Ouais, c'était gris, ça faisait vraiment très très bien. Voilà, c'était un peu gris comme ça en fait. Oui, ça c'est une cheminée. C'était un peu gris comme ça. Et en fait, c'est que la couleur c'est cyan, donc c'est-à-dire que c'est bleu en fait. Donc ce qui fait que j'ai mis vraiment du gris. En fait, c'est la nouvelle texture de la 1.6.2, la Ardennes Clay. Donc voilà, en fait, ça, je vais tout changer. Et autre chose, cette map sera mise sur un serveur multijoueur privé, donc vous n'aurez pas le droit d'y aller. Mais que je sais plus ce que je voulais dire du tout. Ah oui, en attendant que je retrouve, j'ai fait la. Ici, j'ai fait la ligne des radars, enfin des fils radio et des radars sur le Titanic, au passage. Voilà. Oui, donc, ce serveur sera avec deux personnes, donc moi-même, et avec Tous Gamer 16. Donc, alors, ce sera pas forcément ce serveur-là, enfin cette map-là, ce sera un serveur. Excusez-moi, un serveur avec des enfin pas des lignes, des comment dire, des petites plateformes en fait où il y aura, ouais c'est un port sans ville en fait autour. Voilà. Donc ça sera comme ça. Et donc il y aura presque tout oui, j'ai rien fait là. Bref. Donc lui en fait moi je vais faire les bateaux. Non, excusez-moi, je reviens à ce que je voulais dire. Bien sûr je sais plus. Bon attends que je retrouve, je vais parler de ce que je voulais dire. Moi je ferai les bateaux en fait. Sachant que les bateaux Tous Gamer 16 n'est loin de là très fort. Il manque ça d'ailleurs. Pour les faire.
Donc, je le critique pas, mais c'est juste que lui, il sait mieux faire genre les maisons et la déco intérieure. Alors que moi, je suis une... je suis nul en déco, en déco. Vous voyez, ça, ce que j'ai fait là, c'est, ça n'a aucune, ça ressemble à rien. Donc c'est pour ça que cette, enfin pas cette map, mais il y aura tous les bateaux ici. Plus, il y en aura encore plus. Enfin, il y en aura plein d'autres. Et donc ça sera sur un serveur, donc moi je ferai les bateaux. Lui il pourra en faire, mais lui en fait il arrive pas à les coques. Donc moi à la limite je ferai les coques, il fera le reste. Il fera la déco intérieure. Alors attendez. Ah oui, forcément c'est l'autre côté. Donc lui il fera la déco intérieure et voilà, donc comme ça tous les bateaux seront aménagés, pour une fois, sachant que j'en ai aménagé aucun. Le seul qui sera pas aménagé, ce sera le Titanic. Et ce bateau-là, là, le grand, enfin le grand, pas très très grand, mais assez long. En fait, il est presque aussi grand que le yacht. Enfin, il fait que 60 blocs de long. Bon, c'est assez grand, mais c'est pas énorme non plus. Lui, il a commencé à aménager. Oui, c'est vraiment moche la couleur. Lui, il a commencé à aménager, à être aménagé, mais où il y a les chambres, mais ici c'est vide, il n'y a rien, donc faudra aménager ici, faudra aménager toutes les chambres, ça par contre World Edit, hein, copier-coller, ça ira bien plus vite. Donc voilà, et donc ce bateau sera peut-être aménagé, c'est pas sûr, mais le Titanic non, pas du tout, il sera pas du tout aménagé parce que c'est vraiment trop trop long à faire, et ça prendrait des heures alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait aménager, par exemple ce bateau. Qui fait très très longtemps que je voulais aménager, mais j'ai jamais fait parce que j'ai pas le courage. Donc lui il l'aura. Ce bateau, le voilier il sera aménagé et l'autre aussi. Le yacht voilier, si on peut appeler ça comme ça. Tu vois qu'avec ce pack là, la couleur que j'ai fait c'est vachement joli. Le bleu comme ça, bleu marine, c'est beau. Bref. Donc je voulais sur la vue de la map. Et on se retrouve, bah, pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!